Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo challenge sur Zelda Ocarina of Time. Vous connaissez mon amour pour ce jeu et vous savez les défis qu'on a pu faire dessus il y a de cela quelques années puisqu'on avait fait le jeu en Master Quest, puis on l'avait fait avec 3 vies sur la version 3DS et on avait malheureusement échoué. Et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer un challenge encore plus compliqué puisqu'on va faire le jeu sans devoir mourir une seule fois. Ça peut paraître compliqué et en même temps on est sur la version Nintendo 64 qui nous est chère, du coup il y aura peut-être plus de chances qu'on y arrive. Ce que vous allez voir là, c'est le résumé de plusieurs semaines et même plusieurs mois de jeux qu'on a fait en stream sur Twitch. On va reprendre les streams de manière active après une petite pause, donc n'hésitez vraiment pas à venir me suivre. Et je remercie et fais un énorme big up à Jumper, mon monteur, qui a fait une vidéo de malade mental, parce que là vraiment, il y avait des dizaines d'heures de stream à condenser dans cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous avez pensé du montage, n'hésitez vraiment pas à dire ce que vous avez pensé du challenge. Je compte sur vous pour mitrailler les pouces bleus sur cette vidéo. Bon visionnage. On fait vraiment la version classico, hein. En sachant que le début, je le connais évidemment par cœur, pas trop de soucis à se faire, hein, normalement. Normalement, j'ai joué à Zelda, c'est vrai, ça se voit. En vrai, je peux comprendre, hein, d'un point de vue âge, ou même si vous connaissiez pas la licence, machin, mais j'ai beau l'aimer de tout mon cœur, Breath of the Wild. Je vais quand même me permettre de vous dire que si le seul Zelda que vous avez fait dans votre vie, c'est Breath of the Wild, permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas joué à Zelda. Enfin, parce que Breath of the Wild, c'est un Zelda, mais c'est différent. Il faut vraiment vous tester les autres. Ce Zelda est un excellent jeu, mais un mauvais Zelda. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais Zelda, mais c'est un Zelda qui change énormément, quoi, qui renouvelle tout son truc et tout. Donc, en fait, ça ouvre la porte à de nouvelles histoires, un nouveau gameplay, à des nouveaux fans. Mais on va dire, ce qui a fait la légende de la saga, tu le retrouves pas dans Breath of the Wild, c'est très nouveau. Et vous imaginez, là je foire mon saut. C'est bon. Ça aurait été une catastrophe. C'est fou comme ce donjon, je le connais par cœur. Ce truc fait partie de je sais pas, de ma vie, quoi. Genre, je sais pas comment vous dire, mais c'est, j'avance, mais de manière... c'est normal, quoi. Tu sais, c'est vraiment comme si on m'avait appris à manger avec une fourchette, quoi. Enfin, ça fait partie de mon éducation, ce jeu, quoi. C'est une catastrophe. Let's go. Premier boss. Salut. Alors... Let's go. C'est la mise en bouche. Même si celui de TP est très stylé, attention, hein. Mais ouais. T'aimerais bien avoir un Zelda avec une mécanique de jeu comme dans Majora's Mask. Genre si tu viens un jour, une heure, une spéciale, un truc. Ouais, ça pourrait être bien. Ouais. Fais ça rapidement, comme ça au moins. Ça reste un Gerudo. Je fasse très gaffe. Oh putain. On va sortir, je pense. Hein. Parce que là, je vais me faire rechoper par d'autres. On va pas s'emmerder, hein. Il y en avait clairement un autre plus loin. Pire mob, de ouf. D'habitude, je rush full life en ligne droite, ça passe. Bah écoute, moi aussi, d'habitude, je rush full life. Mais là, je me suis dit, ouais, peut-être pas, tu vois. Oh, j'aurais dû faire ça direct. Pourquoi tu fais pas la version 3D? Parce qu'elle est nulle! Pourquoi tout le monde pose cette question? Pourquoi elle est nulle déjà? Parce qu'elle est moche et le gameplay est affreux avec le petit joystick de la 3DS et tout. Visogéro, c'est mieux que Stick N64 en tout cas. Bah écoute, nous, ça nous a valu de nous faire fumer dans notre challenge. Donc en vrai, moi, c'est pas trop ma vision, mais voilà. Hein. Alors, let's go. Ça va, on avance. Ok, lui c'est bon, allez vas-y, ça va le faire. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre le bouclier. Bon, c'est passé. J'avais un peu peur de cette séquence. Ça va.
Oui, le boss, je suis pas. Ça devrait le faire. Il est impressionnant quand tu le vois la première fois, t'es en mode waouh. Ouais, encore deux coups et fini, ouais, ça va le faire. Même pas. Un seul. Voilà, ça passe. Deuxième temple, ça va ? Plutôt sur un bon rythme, je trouve. Ouais, en tout, il y a 8 ou 9 temples. Je me rendais pas compte quand j'étais petit, les 3 premiers donjons de Ocarina sont tellement rapides. Après, attention, hein. Il y a plein de choses autour que je ne fais pas jusqu'à maintenant. Je suis pas allé au ranch, je suis pas. Attention, hein. Je suis pas allé. Non mais ce jeu, vraiment je suis désolé, mais pour moi ce jeu et Majora, c'est-à-dire ce Link là, ces graphismes là, c'est Zelda. Je m'en fous de leurs îles volantes là, moi je veux ça. Pour moi c'est Zelda ça. Je sais pas ce que j'ai un élan de nostalgie là, je suis navré. Pour le prétexte pour refaire du Ocarina of Time sera de le faire en speedrun. Oubliez immédiatement ce que je viens de dire. Vous allez me le réclamer. Hors de question. Ah, pas de speedrun. C'est mort. Proche, on sait jamais. 3, 2, 1, go. Peut-être que je lui fasse une attaque sautée pour faire plus de dégâts. C'est bon, je crois. Non, toujours pas. Si, c'est bon. Voilà. Ok. Anémone du Electric Bar, Marinade. The boss, je galérais quand j'étais petit. Ouais, moi aussi, mais tout le monde, je pense. On a tous galéré quand on était petit. Connais, ces boss là sont pas durs. Mais c'est comme tout, vous verrez quand on fera toc, on va galérer sur des trucs, et en fait quand on y reviendra un an après, on sera en mode putain c'était facile ça. Quand je t'ai dit j'ai galéré une semaine sur comment trouver cette épée Kokiri. Bah ouais non mais c'est sûr, quand tu connais pas, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ok, donc on a fait à peu près tout ce qu'il fallait en étant enfant, donc on peut passer adulte. Alors, let's go, le vrai jeu démarre mesdames, messieurs, si vous ne connaissez pas, si y en a un jeu que vous connaissez pas, c'était l'intro. Le pauvre il est mort. Alors nous foirons pas, donc en gros là faut arriver au bout. Bah voilà, bonne chose de faite. Allez go, c'est parti. Alors, on y va. Et quoi là ? Ah putain, ça commence. Ok, je pars. Faut pas que je mette une bombe. J'avais raison, il peut faire mal, attention. Alors.
Bon, c'est bon. J'ai pas de soucis pour le temple, a priori. On va se heal parce qu'on a quand même perdu un peu de vie, mais a priori, ça. Il y en a d'autres derrière, mais globalement, ce qui me faisait peur, c'était ça, quoi. C'est bon. Ok. Putain, vous m'avez fait découvrir un truc, là, de dingue. Oh, le temps gagné! Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, votre astuce, là. Et le dernier fantôme, il est là. C'est parti! En fait, au début, celui qui tourne sur lui-même, voilà. C'est le faux. Enfin, c'est le vrai. Ok. Ah bah, les musiques. Ah bah, ça. Ah bah, ça. C'est good! On va pouvoir aller au boss. Le Ganondorf spectral, bien sûr. Tellement stylé. Ça, c'est un avant-goût du combat final. Pas le vrai, bien sûr, mais bon. C'est une sorte d'ombre de Ganon, en fait. Eh, avant l'heure, 20 ans avant. Ganon, d'ailleurs, Ganon spectral, c'est plutôt Ganondorf spectral, mais bon. De toute façon. Alors. Et là, maintenant, on va lui renvoyer ses boules d'énergie. Là. Ça va le faire. Ici, là, encore un coup ou deux, il est mort. Et... voilà! C'est fait! Let's go! Quatrième temple réussi! Premier médaillon! Et c'est parti, direct, dans l'ambiance. Allez, donne-moi ma masse, là! Ça va? Ok. Je voulais sauter pour me les faire, mais j'ai pas réussi. C'est bon. C'est bon! Le problème pour moi envers TOTK et les autres jeux actuels, c'est que je vois vraiment pas ce qu'ils pourraient faire de mieux. Bon, alors ça, on disait ça à l'époque de Breath of the Wild déjà, et tu vois, ils ont trouvé encore mieux. Et au-delà de ça, juste tu changes l'univers. Il y a vraiment un milliard de choses comme ça qui sont faisables. Hein. Change l'histoire, machin. Regarde Pokémon, hein. Enfin, je veux dire, pardon, mais Pokémon fait ça depuis 25 ans, hein. Et c'est aussi ce que faisait Zelda avant, hein. Mario, même truc. Un coup dans l'espace, un coup sur une île. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est bon. Ça y est, ils vont faire des cycles de 3 comme les iPhones. Voilà! Par rapport à la moyenne d'âge à l'époque et maintenant, entre Sozel et Tesosino, elle a vieilli ou rajeuni? Ah, moi, ma commu a grave vieilli hein, ces dernières années. Quand je vous croise dans la rue, la plupart du temps, vous êtes à votre travail. Quand vous venez me voir en convention, la majorité des gens ont la vingtaine. Et sur mes stats YouTube, aujourd'hui, la stat dominante est de très très loin, à plus de 60%, je crois, c'est les 18-25 ans. Parce que c'est des gens qui ont grandi avec moi quand ils étaient au collège. T'as aussi des jeunes, hein, ils sont là. Il y en a toujours. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à une époque où on était un peu catégorisé YouTubeur pour enfants, entre guillemets, ce qui est indirectement le problème du ralentissement de nos chaînes, hein. Je parle pas que pour moi, là je parle tous les copains et tout, c'est ce qui a fait aussi qu'à un moment donné nos chaînes a moins marché sur internet en général, c'est que les gens de cette génération là ont grandi. En fait, à avoir des très jeunes qui suivent, c'est pas du tout négatif, au contraire, c'est même très très bien, c'est un très très bon signe en termes de croissance de chaîne. Hein. Et d'ailleurs, vous regardez les chaînes qui cartonnent le plus aujourd'hui, c'est des chaînes qui ont beaucoup de jeunes. Hein. Donc ouais. Wow, doucement. Allez. Voilà, quand même. Bon alors. Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait la fin d'Ocarina. Puisque le dernier challenge, on n'était pas arrivé au bout et tout. Donc si jamais on y arrive, ce serait cool. Voilà, ça c'est fait. Les bots, let's go!
les bottes de plomb. Ok. Tunique préférée. Bah moi je suis fan, je pense que ça se voit à mon mur, j'aime un peu le bleu, donc au hasard, hein, mais je dirais peut-être la tunique bleue. Attention! Oui, ça manque aussi dans les donjons actuels. Pourquoi on n'a pas des mini-boss? Ouais, t'as le feu. Ouais, alors t'as le feu, effectivement, mais je veux dire... Le feu marche bien, je suis d'accord, certes. Ah non, il se... Ah, le marteau, ah, c'est peut-être ça, peut-être le marteau. Il tape que quand tu tapes, hein. J'ai touché. Peut-être pas que je le lock, ouais, c'est ça le problème. Ah, il saoule. C'est quoi la technique de base? La vraie strat, c'est quoi? Ouais, faut pas que je le vise, je pense, mais bon. Oh non, déconne pas! Quoi? Non, mais là, il y a un blème, là. D'épée simple, sans viser, il en prend quelques-uns. Bah... Ouais, on l'a un peu touché. Ok, vas-y, j'ai un truc, là. Bah, putain! La vache! Putain, j'avais pas souvenir qu'il était si chiant. Et bah... Ouh! Le super grappin! Peut s'étendre deux fois plus loin, magnifique. Attention, cette zone n'est pas normale. Bon, alors j'espère qu'on va pas crever, lui j'ai un peu peur. Mais en vrai, non, lui je pense que c'est plus un souvenir d'enfance qui est galère. En vrai, je pense que ça devrait passer. Là, ça y est, ça commence. Lâche-moi! Ok. Merde. Ben alors viens. Ah putain, bref. Ça va qu'on a des faits. Là on crève. Pas grave. En soi, faudrait que je saute déjà pour faire l'attaque chargée, mais j'ai peur qu'il se barre si je fais ça, donc. C'est bon. Bon, ça c'est fait. On est d'accord qu'on peut faire le temple de l'ombre et le temple de l'esprit dans l'ordre qu'on veut. Je me demande si je vais pas plutôt aller au temple de l'esprit. Parce que, en fait, dans le dernier let's play qu'on a fait, qui était le hardcore challenge, on a perdu au temple de l'ombre. Et du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le temple de l'esprit, l'ambiance et tout, ça me manque un peu. Donc je me demande si je vais pas plutôt aller au temple de l'esprit. Alors. Non, on n'a pas annoncé les dates de la prochaine cité encore. Allez, pas de fail. Voilà. Ah mais j'avoue, pourquoi je fais ça? Il me faut le monocle. Enfin techniquement je dois pouvoir le faire sans le monocle, mais c'est chaud. Bah au moins on aura fait cette zone qui est déjà faite. Je vais juste chercher le monocle, ça me prend 5 minutes. Je reviens ensuite faire la route jusqu'au temple de l'esprit pour avoir l'accès au temple. Et comme ça on s'arrête à l'entrée du temple de l'esprit en enfant. Vous raconterez à vos enfants à quel point les Zelda c'était incroyable quand vous étiez jeune. Allez, c'est bon. C'est la porte dans laquelle j'ai été le plus longtemps. Go! Forcément, ça pique un peu. Yeah.
Mais bon, putain, c'est dommage, on s'est claqué une fée à un moment donné. Dommage, franchement. Bon, ça va, franchement, bon, du coup, je me fais pas trop de soucis. C'est nice, on l'a bien fait. Tu as raté des quêtes dans ton dernier. Ouais, mais sûrement, ne vous inquiétez pas. On aura le temps de refaire tout ça. Et puis je vous rappelle qu'à une certaine époque, dans Breath of the Wild, après, je m'aidais d'une soluce. Pas forcément pour faire la quête ou pour machin, mais juste de me dire, ok, t'as des quêtes à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je m'aidais, hein, parce qu'au bout d'un moment, genre, t'étais en mode, what? Mais là, on est encore trop tôt pour faire ça. Allez, ça passe. Oh shit. Oh shit, ma vie. Bon, nous affolons pas, on a des fées. J'ai des cœurs, mais... Je suis bon, vas-y. Au marteau, il est... Merde, super. Vous êtes sûr? Là, j'ai l'épée de légende, déjà, ça ira un peu mieux. C'est quand même plus rapide avec une bonne épée, hein. Voilà. Franchement, en fait, c'est un ennemi qui fait extrêmement mal, mais en même temps, c'est un des ennemis qui a le pattern le plus basique. Il est lent, il a que deux coups, et dans tous les cas, faut reculer. En fait, c'est vraiment pas dur. Hein. C'est bon, quoi. Giga Chad moment. Et du coup, nice. Voilà. Hop là, c'est parti. Oh. Ouais, je me suis fait tout seul. Wow. Oh, il s'est retourné là d'un coup. Amitié entre Link et Volcania dans le manga. Ouais, ça c'est vrai que j'ai pas trop... C'est trop dur pour le meilleur Zelda, c'est trop dur. Dans le manga, je crois que Volcania est un animal de compagnie de Link. Mais ça, je sais pas, j'ai jamais trop lu le manga, mais je comprends pas trop, par exemple. Comment ça peut être un animal de compagnie de Link alors que Link est un... officiellement un Kokiri classique enfermé dans sa forêt avant, tu vois. Pourquoi il s'attaque après? Bon, bref. Non, mais il y a la fusion. Quoi qu'en fait, compliqué sans viser. Non, en fait, compliqué sans viser, j'ai une connerie. Elle est où? Faut que je me place mieux, je fais n'importe quoi. Voilà, là je suis pas mal. Ok, voilà, un peu près. Ok. Ok, fusionne. Allez, pour l'instant, je prends pas de fée. Mais saute! Pourquoi il y va pas? Je voulais sauter, il a pas voulu. Mais donc là ça va être la glace. Ah non. Et voilà. Bah je pense. Merde, j'ai oublié de prendre le cœur. Oh, le misclick. En fait, je sais pas, j'ai vu le truc apparaître. Je suis en mode, je parlais donc j'étais plus dedans. Je suis en mode, ok, la sortie c'est là. Et le truc est pas apparu autour de moi. Il devait être dans mon dos donc je l'ai zappé. Bon, tant pis. Et c'est là-dessus qu'on va perdre le challenge dans le temple de l'ombre. Tu arrives, il me restera un cœur à la fin. Je crois en mode. Zone estime. Je pense qu'on va le passer. J'ai deux faits. On rappelle qu'à l'époque le challenge était arrêté ici et on n'avait pas fait le temple de l'esprit. Allez, faut pas foirer tout maintenant. Sinon, bah c'est fin de live et à demain pour Diablo. Vendredi pour Diablo. Ah putain, foirer les deux challenges au même endroit, ça serait terrible. Je sais pas si ça vaut le coup d'avoir les bottes en vrai. Ça vaut pas le coup d'avoir les bottes, non? Putain, ça commence. Putain. Ok. Bah, comment je suis censé le buter? Putain, c'est pas possible. Putain, mais en fait, je suis même pas obligé d'attendre qu'il m'attaque. Oh, je m'énerve. Putain, j'avais oublié. Ça va, j'ai une fée. Elles sont là pour ça. Bon, il m'en reste plus qu'une. Il m'en reste qu'une, je crois. Bon, on doit pas être loin de l'avoir tué là quand même. Hein. Putain, c'est pas.
je tape au bon moment au niveau timing. Ok, go, là c'est bon. Allez. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à zéro. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches, je fais comment? Grappin. Là, mon gars. Oh, il y avait un coup, un putain de coup, il manquait. Eh ben écoutez, c'est réussi, mais confirmation définitive que lui, il est vraiment chaud. Bon, quoi qu'il arrive, challenge réussi ou pas, on ira jusqu'au donjon final. Franchement, je me suis revu le perdre. Hein. Honnêtement, j'étais pas bien là. J'étais en mode putain, j'allais claquer ma dernière fée. Après, du coup, je me serais affolé. Ouf! Quel enfer! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça! Tellement de temps! C'est cool ça, par contre. J'adore cette partie du jeu, elle est exceptionnelle. J'ai fini combien de fois? Je sais pas. Mais pas tant que ça. Hein. Les gens pensent que je l'ai fini genre 150 fois, mais pas tant que ça. Allez, c'est parti. Tour de Ganon. Meilleur donjon final. Il est exceptionnel. Il est beau, franchement, il est beau. Bon alors, donc pour ceux qui connaissent pas, il y a des mini-donjons dans chaque salle. Chaque salle représente un médaillon et donc un ancien temple. Il va falloir péter toutes les barrières qu'on voit là-haut pour pouvoir accéder au centre. Trop stylé. Alors. Terminé aujourd'hui, ça fait très map jeu vidéo avec un biome par zone. C'est vrai, moi j'aime bien ce genre de map. Ah, je me disais bien. Je me disais bien que c'était pas possible. Alors, bon, ça va, le premier est déjà fait. Ok. Toi, c'est quoi le meilleur Zelda pour commencer la licence Skyward Sword? Aujourd'hui, en 2023, Skyward Sword pour moi. Pas dur, simple. Formule classique, histoire très importante qui pose les bases de tout, tu comprendras tout dans l'ordre. Et le Wind Waker, hélas, c'est que le château, alors qu'à l'époque, je croyais au monde sous-marin. Mais tout le monde, on a tous cru à ça. Hein. Ok, toujours pas. Aujourd'hui, quel jeu Zelda aurais-tu envie de refaire en let's play après TOTK? Oh, pourquoi pas un petit Majora? Le mec chiant, putain. Ah, il a vraiment une ambiance, ce jeu. Non, peut-être pas. Ah, déjà? Ça va, franchement? Tu peux faire Between Worlds? Ah non, on l'a fait il y a 2 ans. Non, c'est bon. Non. Secours à l'aide. S'il vous plaît. Ok. Masse. C'est la naze. Ok. Hop. Voilà. Là on a fait 3 ou 4 déjà. Oh genre, ouais, alors par contre. C'est pas grave. Ok. Tu regardes qui sur YouTube toi? Personne. J'avais oublié qu'elle apparaissait en dernier celle-là. Bon au moins on a débloqué les portes. La plupart avançaient plus vite que moi parce que... Je suis à peu près sûr que... Que Guillaume et Kim ou Free, ils ont déjà 2 ou 3 temples de fée, tu vois. Tu crois qu'il y a rien en fait, faut passer derrière. Si, si. Bon, c'est pas grave, on y retournera. Hey! Ça m'a fait plaisir, ça fait bien 4 ans que tu n'es pas monté. Ouais, ça tardait entre guillemets à monter quoi. Mais après, on était plus ou moins stable, donc ça va, mais. Est-ce que c'est fini derrière? Je regarde régulièrement pour la Breath of the Wild, ça s'était emballé derrière. On était encore. On était toujours moins haut en termes de stats à l'époque. Hop là! Là, je pense que je vais retrouver à dire la map. Pour le moment, on verra. Mais la décomposition du jeu, c'est-à-dire... Tu te réveilles sans rien, t'as un plateau du prélude, il faut aller au temple du temps, mais pour ça il te faut 4 pouvoirs que tu obtiens dans 4 sanctuaires. Ensuite tu dois aller voir les 4 peuples pour 4 donjons. Oui bon, c'est littéralement la structure, le schéma de Breath of the Wild, tu vois. Je pense que j'aurais les véhicules que j'aime pas trop, les pouvoirs que je trouve moins bien. Je pense que j'aurais beaucoup plus, c'est-à-dire je pense que le scénar sera vraiment le gros point fort. Mais le reste, je pense que je serai beaucoup plus critique. Je pense que quand on en parlera dans quelques années, je vous dirai, c'est très bien Tears of the Kingdom, mais pour moi, c'était loin d'être parfait, quoi. Après, c'est très perso. Hein.
En vrai, là, après la sortie de TOTK, je pense qu'il y aura comme quoi. Il y aura quoi comme jeu Zelda dans 5-6 ans, genre un nouveau Zelda qui va bousculer la licence vers une nouvelle ère. Possible, mais ça me paraît être un peu tôt. Après les anciens Zelda, le speech était bien, on fait des donjons parce que la princesse... Oui, mais dans un nouvel univers à découvrir à chaque fois, c'est ça que vous comprenez pas. Et du coup, le gameplay était adapté parce que bah tu joues pas pareil à Wind Waker à cause de l'océan, t'as pas les mêmes feels parce que t'as pas les mêmes musiques, t'as pas les mêmes graphismes, t'es pas sur la même console, t'as pas la même DA, t'as rien en commun en fait. C'est comme un Pokémon, littéralement, c'est-à-dire que Pokémon, ça fait 20 ans qu'on fait la même chose, mais au final, on kiffe toujours autant parce que... Alors je parle pas des problèmes techniques ou quoi, mais sur le principe même de vas-y, découvre une nouvelle région et va faire les badges et capture tes Pokémon, on kiffe. Parce que c'est le concept qu'on aime. Tu vois. Allez, je joue manette 64 ou manette Switch Pro? Manette Xbox. Allez, mesdames, messieurs, c'est maintenant qu'on le win ou qu'on le perde ce challenge, au moins on sera arrivé au bout. Il y en a qui connaissent pas ce qui va se passer derrière là. Il y en a qui découvrent et qui veulent voir ce que c'est le meilleur jeu de tous les temps ou pas. Il y en a dans le chat qui découvrent là. Ok, il y en a. Très bien. Alors. J'ai mis le pire coup, putain, super. J'ai mis le pire coup. Je voulais mettre le coup en avant, j'ai foiré. Il y a des rumeurs comme Ubisoft vient de commencer une nouvelle phase de développement de Prince of Persia. Ouais, à voir. Ouais, ça va le faire. Alors. Sans utiliser de magie. Attends. Je voulais faire l'attaque tournoyante, mais j'ai plus le temps. Bon, c'est pas grave, vas-y. Allez! Ah, c'est vrai que je peux le flèche direct. Genre, quand il charge, je peux lui mettre une flèche de lumière. C'est pas faux. Bon, voilà. C'est pas faux. Bon, ce n'était que la première phase, bien sûr. J'allais faire un save state, mais je vois même pas pourquoi en fait. Si on meurt, bah tant pis, on meurt. On perd le challenge sur le dernier combat. Une dernière fois, Ganondorf et Ganon. Ganondorf, l'humain, qui se transforme en Ganon, la bête. Voilà. C'est pour ça qu'après, dans la timeline de la défaite, c'est Ganon. Parce qu'on perd ce combat. La timeline de la défaite prend place quand on perd ce combat. Voilà. Je sais même plus ce qu'il faut faire, faux. Tirer sur la queue. La roulette sous les jambes, c'est le cheat. Bien sûr que c'est le cheat. Ça va qu'on maîtrise bien, parce qu'on connaît. Ok. Alors, on est en train de bien l'allumer là. Ok. Bon, bah là le combat est win. Hein, je vous dis, c'est bon, on a bien géré la première phase. Là maintenant, c'est win! Là, ça va aller vite. Bah, en fait, le combat final est ultra bien, ultra tendu. C'est juste que là, moi, je le maîtrise bien, quoi. Je le connais par cœur, mais dans les faits, voilà. Challenge aurait été facile pour toi. Non, il y a quand même eu 2-3 moments un peu chauds, hein, notamment le boss de l'ombre, encore une fois. Après, encore une fois, c'était aussi une façon de juste se le refaire, quoi. De se faire un kiff avant la sortie de Tears of the Kingdom. Au final, on aura un peu étiré après, mais. Mais ouais, allez, c'est bon. Hop là. Bleu. Et voilà. Heureusement qu'on avait l'effet quand même. Sans l'effet, je pense qu'on gagnait pas le challenge. Et voilà les amis, c'est là-dessus que va se finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce challenge vous aura fait kiffer. C'est la première fois que je fais un challenge sur un jeu entier comme ça. C'est vrai que généralement on fait plus des challenges sur telle ou telle zone ou quoi. Donc vraiment c'était un gros défi aujourd'hui. Vraiment un gros big up au monteur qui a fait un énorme taf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez d'autres concepts du même genre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour vous en refaire des vidéos à l'avenir. Je compte sur vous pour mitrailler la barre de like sur cette vidéo. Et à très vite pour de prochaines vidéos du même genre.